tout le monde, on espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une morning routine, la morning routine back to school de cette année. Alors ici le réveil sonne à 7h du matin et la première chose que je fais, eh bien vous avez compris. Et après m'être lavé les mains, je file à la cuisine préparer le petit déjeuner de Maëlia. Alors je me dépêche de mettre en marche la machine à croque-monsieur parce que je vais lui préparer un croque Nutella. C'est tout simplement un croque monsieur avec du Nutella à l'intérieur. Et elle adore ça en ce moment. Alors je le prépare vraiment avant de réveiller Maëlia et même avant de me préparer moi-même. Comme ça, il a le temps de chauffer et il a le temps aussi d'un petit peu refroidir avant que Maëlia n'arrive. Voilà, comme ça, Maëlia peut le manger dès qu'elle arrive et ça évite de perdre du temps. Une fois que c'est fait, il est temps de réveiller Miss Maëlia, qui aimerait encore et encore dormir. Elle a du mal à quitter son lit le matin. Donc j'essaye de faire en sorte qu'elle sorte du lit à peu près 7h15. Voilà, 7h15, c'est parfait. Des fois, elle traîne un petit peu plus, mais là, il faut se presser. Alors j'en profite pour ouvrir les volets. Comme ça, vous allez voir un petit peu la vue que nous avons de la chambre de Maëlia. Donc c'est en travaux. Ouais, il y a des travaux, mais en tout cas, regardez, on avait ce jour-là un superbe ciel bleu. Ça fait trop plaisir. Et à chaque fois que j'ouvre la fenêtre, enfin la porte-fenêtre, on a notre petit bébé qui vient s'allonger. Il adore prendre l'air. On se lève. Allez, allez. C'est l'heure de se lever. Et oui, c'est dur de quitter le lit, mais on n'a pas le choix. Donc, Maëlia enfile sa robe de chambre et direction... Ta-ta-ta-ta! Où est-ce qu'elle va? Ah! On ne peut pas te suivre? Ok, on a compris. Après le pipi du matin, c'est le lavage de mains et ça rime. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois qu'on ouvre ce robinet, voilà, regardez qui arrive. C'est notre petit bébé chou. Il est trop mignon, il adore le robinet, il aime bien boire et jouer avec l'eau en fait. Voilà, il pense qu'à jouer. Et j'en profite, est-ce qu'on en parle de la vitesse à laquelle il a grandi? Non mais je vais vous mettre une vidéo de quand on l'a eu, c'était à la fête des mères, donc le 31 mai ou le 30 mai, je me rappelle plus. Il était tout bébé. Et là, on est en septembre, quoi. Un truc de fou. Allez, cette fois-ci, direction le petit déjeuner pour Maëlia. Et je me rends compte que j'avais complètement oublié de lui mettre la boisson. Donc du coup, elle l'a fait parfait, comme une grande. Des fois, elle se prépare même son petit déj toute seule quand elle prend des céréales, par exemple. Pour ce petit déjeuner, Maëlia avait le délicieux jus de fruits fraîcheur créole qu'on a ramené de Martinique. On adore, on adore, on adore, il est trop bon. Et voilà, regardez-la se régaler avec son croque Nutella. Et Maëlia n'est pas la seule à petit déjeuner, je vois. Et c'est à ce moment-là, quand Maëlia déjeune tranquillement, que moi, je file dans la salle de bain pour faire ma toilette. Je vous passe les détails, mais en gros, voilà, c'est le moment où je me prépare. Coucou! Et quelques minutes plus tard, nous en sommes là. Voilà. Alors les matinées ici, donc c'est souvent rythmé par les miaulements, les feulements, les grognements de notre Moon, de notre Minette qui ne supporte pas. Elle ne supporte toujours pas l'arrivée de son petit frère, voilà. Donc des fois elle n'est pas contente. Et c'est maintenant au tour de Maëlia de passer à la salle de bain. Thank you.
direction, le dressing pour aller choisir la tenue. Donc en général, on choisit toutes les deux la tenue, Maëlia me propose et moi je rectifie s'il y a besoin. Mais avant cela, il faut absolument hydrater sa peau. Comme vous le savez, si vous nous suivez depuis un moment, Maëlia, depuis qu'elle est toute petite, elle a la peau très très sèche. Elle fait de l'eczéma et voilà, il faut vraiment qu'elle pense à hydrater sa peau le matin avant d'aller à l'école et le soir après la douche. Maëlia avait envie de faire un petit effet stylé à la TikTok. Et voilà, si ça pouvait être aussi rapide de s'habiller comme ça tous les matins, on gagnerait beaucoup de temps. Donc, une fois que c'est fait, Maëlia va arranger un petit peu son lit, ranger sa chambre s'il y a des choses qui traînent. Et place à la coiffure. Donc en ce moment, Maëlia porte des petites vanilles. Vous avez été plusieurs à me demander sur des anciennes vidéos ce que j'utilisais comme produit. Donc là, j'avais utilisé le Cantu Coconut Curling Cream. Ouais, c'est un produit que j'utilise pour moi-même depuis des années. Et là, sur Maëlia, j'avoue que ça lui va plutôt bien. Ça assouplit vachement bien ces petites vanilles. Et voilà, ça sent super bon. Mais qu'est-ce que tu fais, Maëlia? Rien. Eh ben, elle est en train de se mettre du gloss, là, mais ça va pas? Ben, dis donc, n'importe quoi, là. Après quelques bêtises, l'heure passe très, très, très vite, donc il est l'heure maintenant de vérifier le cartable, donc c'est Maëlia qui gère. Voilà, je la laisse gérer, vérifier si elle a toutes ses affaires à l'intérieur. Bon, là, elle voulait encore vous montrer son superbe agenda K-pop qu'elle adore. Donc, il faut aussi vérifier si elle a assez de masques pour la journée. Donc là, vu l'épaisseur de la pochette, je pense que c'était bon. Oui, elle en a quelques-uns à l'intérieur. Donc, super. Elle prend aussi sa gourde qu'elle va ramener à l'école pour pouvoir boire. Donc c'est elle qui gère aussi le soir quand elle revient de l'école, de la vider, de la remplir et de la remettre au frigo pour qu'elle soit prête le lendemain. Voilà, comme une grande. Et c'est bon! Je vous montre une petite vue d'ensemble. Donc le jour où on a filmé la vidéo, ce n'était pas un jour d'école parce que en temps normal on n'aurait pas eu le temps, mais on vous a reconstitué à l'identique donc notre morning routine. Et voici un exemple de tenue que Maëlia pourrait porter pour aller à l'école. On espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne, ça nous fait super plaisir. Et par contre, je vous montre ici un autre exemple de tenue. Donc ce jour-ci, là, c'était un vrai jour d'école. Et Maëlia était donc habillée comme ceci. Voilà. Toujours avec son petit sac Demon Slayer qu'elle adore. On vous fait de gros 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 bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao.